Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en version française sur TV Plus Madagascar. Nous sommes ensemble pour une quinzaine de minutes d'information. Alors je vous invite à suivre jusqu'à son terme. Mais tout de suite, les titres. La centrale hydroélectrique de Saouf, qui est dans la région de Vatnakarach, est le plus grand projet hydroélectrique dans le pays, dans les meilleures conditions à ce jour, selon le président Andjradzouil, lors de la cérémonie de la signature du projet. La centrale hydroélectrique de Saouf, qui reflète la volonté inéluctable de l'État pour la concrétisation de l'accès à l'énergie pour tous. 8 députés qui doivent assister à la réunion de la SADC cette semaine n'ont pas pu prendre le vol en escale à l'île Maurice le samedi 13 novembre dernier, faute du délai impératif de vaccination contre la COVID-19 d'après une source. Certains de ces députés ont effectué le vaccin 2 jours seulement avant le décollage. Or, l'île Maurice n'accepte l'entrée d'étrangers sur leur territoire qu'après 12 jours de l'injection du vaccin. Les feux de brousse qui ravagent des hectares de végétation dans le pays ces derniers jours ne sont pas tellement graves qu'en prétendent les réseaux sociaux, selon la vice-ministre chargée de la reforestation ce jour. Les statistiques démontrent que les superficies brûlées ont largement diminué comparé à celle de 2020 qui avait atteint 352 000 foyers de feux de forêt. Et pour terminer, les professionnels du secteur pharmaceutique réitèrent que leur position par rapport à la proposition de loi est dictée par l'impérieuse nécessité de préserver les fondamentaux de la politique des médicaments et de la santé publique, à savoir la qualité, la disponibilité, l'accessibilité et le bon usage, raison pour laquelle ils campent sur l'idée d'ajourner le vote de cette proposition de loi. Et maintenant, place aux détails de nos informations. 8 députés qui doivent assister à la réunion de la SADC cette semaine n'ont pas pu prendre le vol en escale à l'île Maurice le samedi 13 novembre dernier, faute du délai impératif de la vaccination contre la COVID-19. D'après une source, certains de ces députés ont effectué le vaccin 2 jours seulement avant le décollage. Or, l'île Maurice n'accepte l'entrée d'étrangers sur leur territoire qu'après 12 jours de l'injection du vaccin, d'après les informations. Le ministre de la Santé publique à Madagascar avait bien essayé de négocier avec les autorités mauriciennes. Inflexible, Zoura Bardzon. 8 députés ayant prévu d'assister à la réunion de la Communauté de développement de l'Afrique australe, ou SADC, cette semaine ont été retenus à l'aéroport d'Ivat le samedi 13 novembre. Ces députés, qui ont choisi de rester dans l'anonymat, n'ont pas pu prendre le vol pour l'île Maurice, où ils doivent faire escale avant de rejoindre Johannesburg pour le sommet de la SADC. La raison de cet empêchement serait une irrégularité constatée lors de la vérification de la carte de vaccin à la COVID-19. 19 des députés. En effet, 5 d'entre eux ont effectué le vaccin 48 heures seulement avant le décollage, une condition qui n'est pourtant pas admissible pour les autorités mauriciennes, dont les restrictions sanitaires exigent une vaccination d'au moins 12 jours avant l'entrée dans le territoire. Le gouvernement mauricien, qui se montre très strict par rapport à l'application de cette mesure, a donc refusé catégoriquement l'accueil de ces députés malgaches sur son territoire. Le ministre de la Santé publique de Madagascar étant déjà intervenu pour négocier avec les autorités de l'île qui n'ont pas fléchi dans leurs décisions, surtout avec des statistiques de 18 979 cas de Covid ou de 240 décès liés à la Covid-19 dans l'île Maurice actuellement.
À Madagascar, de nombreux vaccins sont proposés à la population, à savoir l'AstraZeneca, le Johnson & Johnson ou encore le Sinopharm. Ceux qui prévoient de voyager devraient procéder sans tarder à leur vaccination, d'autant plus qu'il est fort probable qu'à terme, la carte de vaccination contre la COVID-19 devienne obligatoire pour toute circulation à Madagascar, que ce soit par voie aérienne, terrestre ou maritime, à l'instar de ce qui se fait à l'étranger. Les feux de brousse qui ravagent des hectares de végétation dans le pays ces derniers jours ne sont pas aussi graves comme véhiculés sur les réseaux sociaux, dit la vice-ministre chargée de la reforestation ce jour. Les statistiques démontrent que les superficies brûlées ont largement diminué, comparées à celles de 2020 qui avaient atteint 352 000 foyers de feux de forêt. Toutefois, la lutte contre les feux de brousse, mais plus encore, la reforestation seront renforcées afin de recouvrir de végétation le pays. Contre 40 000 hectares de surface à couvrir par an, défi lancé par le président de la République, la vice-ministre chargée de la reforestation lance un défi de planter 150 000 hectares d'arbres par an. Le reboisement des surfaces qui longent les routes nationales figure comme étant la priorité de cette institution actuellement. Lancement officiel de la campagne de reboisement 2021-2022 ne débutera qu'au mois de janvier 2022. Après avoir attendu pendant plusieurs années, le district de Sainte-Marie bénéficie désormais d'un tribunal de première instance. Ceci résoudra les problèmes de la population qui auparavant se trouvait obligée de se rendre à Fenerive-Est en cas de procès. Les travaux de construction étant achevés, l'inauguration officielle de ce tribunal, qui est un projet présidentiel, aura lieu en début de l'année 2022. Le ministre de la Justice, Imbiki Erlaz, a réceptionné techniquement ce palais de la justice hier, lors de sa visite dans le dit district. La plupart des habitants dans le district de Sainte-Marie optent généralement pour un règlement à l'amiable de leurs différends. Faute de tribunal sur place, les justiciables se trouvent obligés depuis toujours de se rendre à Fenerive-Est pour soumettre leur litige à un juge. Ainsi, toute personne qui se trouve être victime d'une injustice et qui veut poursuivre son adversaire au tribunal doit prendre la peine de se déplacer à Fenerive-Est et de supporter toutes les charges liées aux frais de déplacement des présumés et des agents de la police nationale qui font le suivi de l'affaire. Afin de résoudre ces problèmes, le président de la République, à travers le ministère de la Justice, a construit un tribunal de première instance suivant les normes internationales à Sainte-Marie. Après 9 mois de travaux, cette infrastructure est prête à être inaugurée. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Imbiki Erlaz, a effectué une visite des lieux hier et a réceptionné techniquement ce tribunal. Lui de dire que l'inauguration officielle est prévue au mois de février 2022. Dans la foulée, en tant que ministre coach de la région d'Analandsruf, il a aussi effectué des descentes pour vérifier l'avancement des travaux de construction des infrastructures publiques, telles que les routes en pavé. Une rencontre avec les représentants des 17 Fouktan de Sainte-Marie et les Ukul a également eu lieu afin de discuter des problèmes qu'ils rencontrent dans la localité. Et je vous disais en titre, la centrale hydroélectrique de Saoufk dans le district d'Antanfout, région de Vakhnakarach, est le plus grand projet hydroélectrique de Madagascar, établi dans les meilleures conditions à ce jour selon le président de la République lors de la cérémonie de signature du projet. La centrale hydroélectrique de Saoufk reflète la volonté de l'État pour la concrétisation de l'accès à l'énergie pour tous, pour la baisse du tarif des consommateurs, le transfert énergétique vers le renouvelable et pour l'émergence du pays, continue le chef de l'État malgache. Ce dernier, qui à la tête des négociations, n'a eu de cesse que le contrat de concession de Saoufk ne dure que 25 ans contre les 35 ans prévus auparavant et a permis d'épargner ainsi 30 milliards d'arrières de dépenses grâce à la revue du tarif. Fitia Anadoni, Yves Rassata.
un engagement personnel et pas seulement un projet. C'est ainsi que le président Andras Zwiln a qualifié la centrale hydroélectrique de Saouvk dans la région de Vakna Karadj. La plus grande centrale hydroélectrique de Madagascar revêt une importance capitale pour l'émergence du pays, sa croissance économique et à travers son objectif d'accroître sa capacité de production d'énergie, selon le président Andras Zwiln. L'énergie est vitale. Cette infrastructure va promouvoir plusieurs secteurs, notamment la santé, l'éducation, l'industrialisation et la croissance économique, soutient-il. Le projet Saouvk fait donc d'une pierre deux coups. 1 600 000 foyers bénéficieront de l'électricité, permettant de réaliser l'accès à l'électricité pour tous. Inscrit dans le VELRA numéro 2. En outre, grâce à ses réseaux interconnectés, la centrale de Saouvk pourra couvrir 3 provinces dont Antananarivo, Fianarantsoa et Toamasina. Le coût total d'investissement pour ce projet s'élève à 900 millions d'euros, incluant les frais financiers. Si au départ, la concession était de 35 ans, celle-ci a été ramenée à 25 ans, et cela pour une meilleure souveraineté de la gestion de l'énergie propre à Madagascar sur le long terme. Une prise de participation stratégique de l'État a été également consentie à hauteur de 20%. Le coût de l'EPC ou ingénierie et construction, quant à lui, est un point crucial de ce projet. Il a fait l'objet de négociations intensives et très techniques, ce qui nous a permis de revoir à la baisse l'investissement et ainsi réduit le prix final du kilowattheure auprès des consommateurs. Ainsi, les hypothèses du tarif moyen sur les 25 ans, initialement à 5,85 cents d'euros le kilowattheure, a été ramené à 4,85 cents, avec un tarif initial fixé à 8 cents le kilowattheure, qui a été ramené à 6 cents d'euros le kilowattheure. En optimisant bien évidemment le coût d'EPC et en obtenant un financement à taux concessionnel, ces chiffres pourront encore évoluer. Jaloux des intérêts de Madagascar et de la bonne gouvernance dans la gestion de la centrale, le chef de l'État avait fortement négocié pour que le contrat de concession de Saouvk soit fait dans les meilleures conditions. Une négociation qui a permis de sauver 30 milliards d'ariars de dépenses grâce à la revue du tarif à la consommation, précise le ministre de l'Énergie. Madagascar réduit progressivement l'installation des énergies fossiles au profit des énergies renouvelables. Le projet Saouvk est le reflet d'un modèle de développement économique basé sur la préservation de notre patrimoine naturel. Ce projet marque notre engagement écologique visant à produire de l'énergie propre, renouvelable et respectueuse de l'environnement. Si nous avons construit un décalé en 1978 d'une capacité de 2 fois 29 MW, aujourd'hui, en 2021, d'une capacité de 192 MW extensible à 300 MW, le projet Saouvk sera le plus grand projet hydroélectrique à Madagascar. Il contribuera à la réalisation de la moitié des objectifs d'augmentation de nos capacités énergétiques. Saouvk est porteur d'une nouvelle ère énergétique à Madagascar et nous sommes optimistes quant à la prospérité de ce projet et au succès de la collaboration avec nos partenaires. Tout cela au bénéfice du peuple malgache. La cérémonie de signature du projet s'est tenue ce jour à Yavlou, en présence du président de la République et des secteurs privés en charge du projet Saouvk. Les professionnels du secteur pharmaceutique réitèrent que leur position par rapport à la proposition de loi est dictée par l'impérieuse nécessité de préserver les fondamentaux de la politique des médicaments et de la santé publique, à savoir la qualité, la disponibilité, l'accessibilité et le bon usage, raison pour laquelle ils campent sur l'idée d'ajourner le vote de la proposition de loi relatif au maintien des dépôts de médicaments, une étape qui ne devrait surtout pas se faire à la hâte, contrairement à ce que veulent les députés actuellement. Selon eux, cette proposition de loi
va à l'encontre du déploiement des jeunes pharmaciens à travers l'île et empêche l'implantation de nouvelles pharmacies, d'après les explications. Face à l'ajournement du vote de la proposition de loi visant à modifier certaines dispositions du Code de la santé relatives aux conditions de maintenir des dépôts de médicaments, l'Ordre des pharmaciens d'affirmer leur satisfaction en expliquant que c'est un bon signe pour eux. Toutefois, ils réitèrent leur position par rapport au vote de cette proposition de loi, à savoir son ajournement pour une autre session parlementaire dans un futur lointain. Cette position qui est dictée par l'impérieuse nécessité de préserver la qualité, la disponibilité, l'accessibilité et le bon usage des médicaments en matière de santé publique. Les pharmaciens estiment que le code de la santé publique est délicat et que les articles sont interdépendants. Ils ont cité à titre d'exemple que l'annulation ou la modification de l'article 202 porterait atteinte à l'article 153 du dit code qui stipule que sont réservées exclusivement aux pharmaciens la vente au détail et la délivrance à titre onéreux ou à titre gratuit des médicaments et autres produits pharmaceutiques soumis aux mêmes dispositions, ainsi que des substituts du lait maternel. Cela signifie que les pharmaciens assurent les fonctions majeures dans le système de santé et de soins. L'augmentation du nombre de pharmaciens rejoint l'objectif d'une mise en place d'une couverture sanitaire universelle et la disponibilité de produits de santé de qualité d'après les explications. Cela ne signifie pourtant pas que l'Ordre des pharmaciens revendique la suppression des dépôts de médicaments, mais requiert plus de collaboration et d'échanges entre les deux parties. L'Ordre des pharmaciens d'ajouter le caractère essentiel de la promotion du déploiement des jeunes pharmaciens à travers toute l'île et l'implantation de nouvelles pharmacies que pourrait freiner la proposition de loi sur le maintien des dépôts de médicaments d'après les explications. Nous nous excusons de la petite interruption du programme à cause de la coupure du courant ici Ivan Zambutsu, mais poursuivons notre édition. La grève des travailleurs du Laboratoire national des travaux publics et du bâtiment ou LNTPB se poursuit pour exiger la démission de quelques cadres. Eux d'affirmer avoir déjà la permission et les documents légaux pour procéder à cette grève. Les responsables de l'entreprise auraient forcé certains travailleurs, une partie qui préconise plutôt la tenue d'un audit de gestion, a signé un document pour protester contre la tenue de cette grève des travailleurs. Explication. Un désaccord divise les employés du Laboratoire national des travaux publics et du bâtiment ou LNTPB. Certains prônent la tenue d'un contrôle de gestion, tandis que d'autres ont décidé de manifester pour revendiquer la démission de quelques cadres. Ces derniers déclarent que les hauts responsables de l'entreprise effectuent une certaine pression à l'encontre de plusieurs employés pour leur faire signer un document dans le but d'empêcher la tenue de cette manifestation. Ces employés grévistes demandent donc l'enlèvement des banderoles brandies qui contestent la tenue de leur grève. Un appel à l'inspection du travail a déjà été fait dans ce sens, mais en vain. Des pourparlers ont aussi déjà eu lieu avec le ministre des Travaux publics qui a promis d'apporter une solution d'ici 15 jours. Les travailleurs espèrent ainsi que leurs problèmes soient bientôt résolus et réitèrent leur demande à propos de la révocation de certains responsables à la tête de cette société. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bon ce programme sur TV+, Madagascar. Au revoir. Thank you.